Et l'autre événement du week-end, c'est la Coupe de France de cyclo-cross qui se tient à Nomé dans le pays de Montbéliard. 2 jours de course avec près d'un millier d'engagés dans différentes catégories d'âge. Sur place, on va retrouver Jérémy Chevreuil qui va commenter la course cet après-midi en direct sur notre site internet. Quel est le programme et surtout quelles sont les chances de nos cyclistes franc-comtois? Oui, c'est la grande fête du cyclo-cross tout le week-end ici à Nomé pour l'ouverture de la Coupe de France avec des Franc-Comtois qui brillent. Deuxième victoire en 2 jours ce matin pour le junior Théophile Vassal, le jurassien. 2 quatrièmes places également chez les juniors filles pour Zélie Lambert, la bisontine licenciée à Ornans. Des Franc-Comtois qui ont brillé aussi chez les élites hier avec la 8e place d'Evita Music qui sort de sa meilleure saison sur route. Et puis surtout le bisontin d'origine jurassienne Fabien Doubé a lui pris la 3e place hier. On espère qu'ils seront aussi forts aujourd'hui, qu'ils joueront devant. Le rendez-vous, c'est 14h sur notre site internet pour suivre les courses élites femmes et hommes avec Francis Mouret qui sera au commentaire à mes côtés.